Sinon, et organisation pour ces dates, vous savez. Bon, premièrement, nous saluer vous. Et nous participons dans le forum là, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que moi, c'est un éducateur. Moi, je fais toute vie ma pensée français. Moi, c'est un français dans le collège en Haïti. Et je suis formateur dans l'Académie pour lire, dédié à l'école de magistrature et professeur de faculté de droit. Donc, une fois que je parle d'éducation, son bail qui intéresse, la mesure où je pense, pas une société qui a développé si je pas mettre priorité dans l'éducation. Et l'OABGA des indices, Haïti derrière, en pile, parce que Haïti gagne 64% de monde qui est alphabétisé. Quand il y a là, non black à descendre par rapport avec tous les débats qui sont dans le pays. Tandis que des pays tant que la République dominicaine n'a fait de 85% de monde qui est alphabétisé. Des pays tant que les pays scandinaves qui a 100% de monde alphabétisé. Corée du Nord, 100% de monde alphabétisé. États-Unis, 99%, 7% de monde qui est alphabétisé. Bêtise. Donc, vous pensez que il y a un pile d'efforts de fait dans ce système éducatif? Un pile d'efforts pour fait. Parce que dans le budget, pays d'Haïti, il faut investir en pile dans l'éducation. Par exemple, côté Milan Bouclan, nous sommes élus, Bouclan mettait 50% du budget dans l'éducation. Parce que ça, éducation, ce n'est pas apprendre mon à lire, à écrire seulement, non. L'on monde éduqué, c'est un monde qui compte lire, qui compte écrire, mais c'est un monde tout qui gagne, qui respecte le devoir civique. Et c'est le devoir civique, ça peut faire mon entour non patriote, non nationaliste, qui peut faire mon entour non citoyen, qui est capable d'utile avec le pays. Parce que quand on voit que c'est un monde qui est éduqué, capable de comprendre le principe ça, si on bagaille bon pour moi, il n'est pas bon pour le pays, Bafel, malgré que l'ICABA m'a avantage personnel. Monsieur, comment vivre le dernier événement qui a passé dans le pays d'Haïti? Bon, ça très triste. Ça très triste. Ça prouve une fois encore, côté nous failli dans sacré investi dans l'éducation. Parce que, le monde qui a un grand jour, ça a été, c'est un petit monde qui est dans la rue. Gardez en Haïti pour vous là, ou pas pour être petit monde dans la rue encore demandé. Parce que tout le monde sait, gang yo, ou écoute yo. Parce que l'école, grand mission. L'école, li fait cellule de la société. Parce que son état a une cellule pour fonctionner. Première cellule là, c'est la famille. C'est dans la famille, tu as commencé à recevoir l'éducation. Après, ça a 5-6 ans, il entre dans l'école maternelle, il entre dans l'école primaire, il entre dans l'école secondaire, jusqu'à ce qu'il fasse cycle universitaire. C'est tout le monde ça qui vient en citoyen de demain. Parce que l'homme dans l'école en Haïti, depuis en 86, Jean-Claude Allé, l'école a un problème. Parce que grand pile grève, grand pile manifestation, pour essayer de pas gagner temps pour recycler, yo mal payé professeur, yo timon yo pas manger, tout problème ça yo, l'on paye gain. Éducation souffre et l'éducation souffre, c'est tout système là qui souffre parce que système là, il vient créer des citoyens. Citoyen, ça, c'est comme si des citoyens qui penchent. C'est un pied bois. Mm. Donc, vous pensez que l'État n'a pas investi assez dans le système éducatif? Non, l'État n'a pas investi. Parce que l'État, budget l'État, combien budget l'État dans l'éducation? En fait, 15%. Et je pense que dans le pays comme les États-Unis, côté MIA, c'est 50% budget qui fait pour allouer dans l'éducation. Dans la ville que vous avez dirigé? Bouclay. Ok. 50% budget à yoa loué à l'éducation. Ok. Donc maintenant, maître, vous nommez comme une commission qui est chargée pour restitution d'aide de la France. Faut-il parler de commission ça? Bon, effectivement, son commission premièrement, son initiative qui sort de la CARICOM et deuxièmement Haïti. Et qu'on rencontre entre le recteur universitaire Afrique des Hommes avec le ministre des Affaires étrangères là. Ils décident de créer une commission, ça. Et dans la commission, ça, ils ont fait appel avec des intellectuels qui sont dans le pays étranger. Et ils ont une association pour la paix qui est en France. C'est moi avec le professeur Jacques Mézy, le désigné qui vous fait partie de la
commission ça, donc fait partie de la commission pour la restitution de la dette de l'indépendance. A bon gros colloque a fait le 17, le 20 en Haïti et pour y commencer travail sur sa commission ça va le faire. Mm-hmm. Et qui travaille exactement après pour le faire? Non, premièrement, son comité de réflexion que lié. Mm-hmm. Parce qu'on est que l'on parle de la dette de l'indépendance, son question historique qui montait depuis après l'indépendance pays d'Haïti. Côté la France et exiger Haïti l'année 1825 où Haïti était payé 150 millions francs d'or pour mm-hmm. reconnaître l'indépendance. Là ça c'est son président Boyer. Mm-hmm. Il était en commission dans le Christophe Parisi Voili, Christophe Fizier Nègre plutôt et Boyer était accepté avec le Vatican qui fait intermédiaire entre Haïti et le gouvernement français. Mm-hmm. Il a accepté payer 150 millions de francs d'or. Il vient diminuer comme ça 90 millions de francs d'or. Et il dit que si Haïti n'a étalé aujourd'hui, le paiement de la dette d'indépendance lui jouait un rôle dans sa pays aujourd'hui là, parce que nation était faite indépendant, ils ont isolé pays. Ouais, de 1804 à 1860, pays Haïti isolé entièrement par des pièces d'autres pays qui étaient capables de faire une relation avec Haïti. Quand il y a la pays ça, où ils mettaient dette ça sous lui, la pays intérêt, où il y a des gros banques en France. Son banque en France qui veut payer Haïti premier versement pour le faire. Et c'est comme si Haïti paye en double dette. Non seulement payer dette là, mais leur intérêt est à faire en double dette. Et je pense que New York Times a fait une belle série sur bagage ça, côté l'île et la France doit Haïti billion. Et mais quand on lit sur ça, pourquoi la France doit restituer à Haïti des billions? Et l'île ça, il a traduit en 15 langues, et l'île ça, il y a un catalogue université Princeton. Mm-hmm. C'est qui banque ça qui était dans tête initiative ça pour non pile banque, il y a une banque La Rochelle en France, il y a Citibank, il y a banque Rockefeller aux États-Unis, il y a pile banque qui était prêté à Haïti pour filmer dette indépendance là que Haïti fait en pile temps, moi c'est sous-estimé nous filmer dette là. Mm-hmm. Donc banque en France qui était recevoir comme dans c'était qui banque? Bon, il y a pile banque en France. Et première banque qui était prêtée à Haïti comme là, non échappé, mais qui était prêtée à Haïti. Crédit agricole? Crédit agricole, yep, exactement. Exactement. C'est une qui était prêtée à Haïti premier comme là. Après ça, il y a eu une vente dette là avec une banque américaine, soit ou fait les banques aux États-Unis. Alors, commission ça, nous allons travailler sur qui ça exactement? Son comité de réflexion pour que qui Jean Haïti a récupéré dette indépendance comme ça Haïti était payé. Nous connaissons qui côté ça qu'a mené nous monsieur parce que OK non nous connaissons parce que Haïti était banque d'état parce que Haïti qui venait avec idée la question de la dette de l'indépendance et bon quand bien même je pense que la France a une obligation morale obligation pour remettre comme ça parce que c'est un pays qui prend l'indépendance. La France exige à Haïti dédommager même colons français qui les mettaient nous dans l'esclavage. Mais que ce soit une injustice liée. Et je pense que le président français a quitté soit Martinique en Hollande, qui a dit comme ça que il y a travail pour être capable de restituer à Haïti la dette de l'indépendance. Mais ça, Hollande disait pas ça, le dit. Non? Bon, c'est ça, le dit. C'est ça le dit parce que il y a un article écrit on croit que dans le même cas de ça c'est que la tortue qui était allé en contact avec Jacques Chirac en France par contre ça on dit non la tortue elle t'allait elle t'est parlé elle dit comme ça que dette là c'est ton dette morale la France pas de Haïti moi même t'es présent là ça la tortue dit clairement c'est ton dette morale que la France gagne la Gérard la tortue t'a rencontré Jacques